Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. Oh purée, je suis en train de me libérer de la souffrance. D'accord, oh purée, d'accord, ce chant libère de la souffrance. D'accord, oh purée, je veux cela, moi Macron, je te ferai à l'Élysée une salle et tu le feras à tous les gens de l'Élysée. Faudra bien protéger le truc, hein. Ce sera souterrain. Il n'y aura aucun risque et ce sera super bien sonorisé. On enregistrera tout. Par contre, j'ai senti que tu ferais le chant, tu me buterais ensuite et tu garderais le truc. D'accord. T'es très fort. C'est exact. Je le ferai par Zoom uniquement alors. D'accord. Tu fais du chant comme ça par Zoom, ça va faire des trucs terribles. Hein. Moi, Pierre Bornozera, je vais te faire un Zoom spécial avec du chant comme ça. Oh purée. Oh purée. Je le mettrai sans mettre le chant. Je dirai suite à mon dernier chant. Et je mettrai cette vidéo. Et je les laisserai crever s'ils veulent rien, ils n'auront zéro. D'accord? Bravo, bravo. Tu deviens commercial. À force de gagner zéro avec le gratuit, j'en ai eu marre. Je partage uniquement les résultats et je garde mes sources. Et je ne donne pas le secret. Jamais. Et s'ils veulent le secret, ils peuvent toujours essayer de le trouver après ma mort. D'accord? Comme ça, c'est clair. Les artistes qui donnent leurs sources se font piller. À notre époque, on ne donne plus jamais les sources. Hein. C'est fini. Hein. D'accord. Bravo. Ça va être la guerre, ça. Ça va être la guerre avec les agents de com et tout ça. Elles vont être ruinées. Ce sera une très bonne chose. Elles n'ont aucune créativité. Ce sont des exploiteurs, ces gens. Ce sont des commerciaux sans conscience. Où ils ont une conscience du fric et une conscience d'arnaquer uniquement les gens. Et pas la conscience du cœur ni la conscience de la souffrance. D'accord. C'est quoi la conscience de la souffrance? C'est savoir progresser en souffrant. D'accord. D'accord.